il y a un gros problème. Oh là là là, c'était bidon. Mais Marseille, soit ils sont pas encore réveillés de la claque de Paris, c'est pas possible. Salut à tous, zouteuses et Football de Paris, c'est Thomas. Victoire de Monaco, 2-1, un but de Ruben Aguilar, c'était le deuxième, et un but de Jean-Kevin Augustin. Superbe but, franchement, où la défense marseillaise dormait. Et le but de Payet, et non, car c'était un centre, c'est un CSC de Lecomte. Donc, parce que les Marseillais ont tiré 7 fois au but, et 0 cadré. Et ouais. Alors, je me rappelle quand même que Villas-Boas, à une époque, avait dit « Le Classico, c'est pas important, évidemment. » Et je pensais justement que, ok, on va lui donner raison, mais le match derrière contre Monaco, le match derrière contre Lille, ça, c'est à voir, évidemment, ce week-end à 5h, ça allait être des victoires, même si c'est la Coupe de la Ligue. Mais Coupe de la Ligue, c'est la dernière fois, c'est une qualification européenne, certes, mais c'est aussi de la confiance. Tu fais un bon match, tu te rassures hein, quand même avec Kaleta Kar, avec du à ma vie, avec qui n'a pas été mauvais non plus, avec du Sakai. C'est quand même pas une équipe B. De toute façon, il n'y a pas d'équipe B à Marseille. De toute façon, tu avais Rongier et Radonjić qui sont rentrés quand on fait du bien, je trouve, mais il n'y a pas d'équipe B à Marseille. Il manque des joueurs. Franchement, ma courte, faut qu'il dégage. C'est honteux. Hein, le Champion Project, il est où hein, il est parti de ouf. Il n'y en a jamais eu. C'est pas possible. Quand la Marseille, ce soir, c'était cataclysmique. Aucune frappe cadrée. Franchement, le Comte, il a fait quelques bons arrêts, mais il dorme. Strootman, c'est une arnaque au milieu de terrain. Strootman, c'est l'arnaque du siècle. Payet a encore été le meilleur. Payet vient de revenir de suspension. Ça fait deux matchs que je trouve qu'il est le meilleur. Après, dans un 4-4-2 à plat, c'était bidon, évidemment, à gauche. Il n'y a pas non plus de défendre sur son côté. Du coup, c'était mieux derrière l'attaquant. Mais c'est Payet, le mec qui vient de revenir de suspension, qui est ton meilleur joueur. Et puis, cette arnaque de Strootman, je l'ai mis là parce qu'il a signé pour 25 millions d'euros en maison de retraite. C'est pas possible. C'est pas possible, Strootman. Pas possible. Il se fait prendre le ballon par tout le monde. Hein. Franchement. C'est incroyable. Même Fabregas qui est sorti blessé sur le banc. Je suis sûr que juste de regard, il prenait le ballon à Strootman. C'est... Comment dire ? Honteux, certes. Mais il y en a qui vont dire, ok, Thomas, c'est que la Coupe de la Ligue. Ok, mais quand même, t'as de la confiance. T'as de la confiance à engrainer. À enchaîner. Engrainer, ça veut rien dire. Mais enchaîner, quoi. Tu vois, tu dois essayer de sortir les doigts pour montrer un petit peu que... T'es sorti de la crise, toi, de dimanche. Mais non, en fait, là, ils sont encore endormis. Ils ont pris tellement une taloche que là, ils sont encore sonnés, les mecs, quoi. Il y avait eu la révolte de Payet à la fin. Parce que Monaco a commencé à reculer. Monaco gérait. Parce qu'ils étaient surpris que Marseille ne fasse rien. Alors, oui, Marseille a eu la possession de balle globalement. Mais Monaco est parti en contre. Et à chaque fois qu'il y avait un contre, c'était dangereux. À chaque fois qu'il y avait un contre, il se faisait percer de ouf la défense. C'est dramatique, franchement. C'est dramatique. Radonjić, quand il est rentré, j'ai bien aimé. Il a apporté un petit peu de fougue. Il a fait un très bon extérieur du pied qui était assez malin, franchement, qui aurait pu amener le 2-2. On y a cru. Les Marseillais, les supporters marseillais sur le live ont cru au 2-2. Et non, c'est beaucoup trop tard. Les mecs, ils dormaient. Alors, soit c'est un match qu'ils ont lâché, soit il y a un gros problème. Parce que Marseille, au classement, ils sont pas relégués. Ils sont dans le top 5, quoi, tu vois. Enfin, le top 5. Ils sont 8e ou... Mais bon, ils sont pas non plus loin. C'est ce que je veux dire. Et le Lille-Marseille, il est important de ouf ce week-end. Il est très important. Donc Radonjić a été plutôt bon. J'ai mis la rentrée de Rongier aussi. Ça a apporté un peu plus de technique au milieu de terrain. Hein. Parce que Sanson, c'est bien, mais Sanson, il va partout. Droite, gauche, il bouche les trous, tu vois. Il est bien, intéressant tactiquement, mais... Strootman, c'est nul. Alors Sanson, il doit tout faire à côté. Strootman, c'est vraiment bidon. Hein. C'est le pire joueur que j'ai vu depuis longtemps, franchement. Le mec, c'est les pattes, quoi, tu vois. Donc Rongier... Et Sanson, avec un Payet en numéro 10, c'est intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce qu'on en pensait, les amis, c'est intéressant. Parce que Marseille, là, franchement, ça me fait peur. Parce que Villas-Boas, je sais pas. Je sais pas s'il a les clés. Il était dépité sur le terrain. Dépité. Parce qu'il y a eu qu'une équipe, quoi. Même Monaco se trouvait un petit peu... c'est Marseille ou c'est une équipe de Minot qui est en face? Avec un bon Marley Hacké. Voilà. Golovin est rentré à la place de l'ami Fabregas qui a eu une petite gêne derrière la cuisse. Il a été très bon, c'est un super joueur de foot, c'est lui qui fait le jeu, il est incroyable. Golovin, pour moi, c'est le meilleur joueur monégasque. Alors oui, il y a Slimani qui était blessé, Benedir est rentré à la fin, mais Golovin, c'est quand même lui le maître d'œuvre. C'est lui le chef de chantier, en fait, sans déconner. Et Augustin, mine de rien, il a fait un beau but de ouf dans une défense qui dormait, mais complètement, il dormait. L'état de char, c'est catastrophique, quoi. C'est, franchement, il faudra mettre... Dans un bus, Tata Char, faudra mettre Strootman et les faire dégager, quoi. Loin, parce que c'est plus possible, franchement, c'est plus possible. C'est pas possible de voir Marseille à ce niveau-là. Alors que ça allait, mais c'était peut-être floué par la réussite de Benedetto, tu vois, qui marquait des buts, but sur but, tu vois. Parce que là, c'est. On reconnaît plus l'OM.
Et donc Augustin était très bon, un beau but là sous la barre de Bandanda qui a été bon aussi mine de rien. Et un énorme Baldé, j'ai adoré franchement le Sénégalais parce que lui, alors forcément on va minimiser parce que c'était la défense marseillaise, mais il a percé dès qu'il y avait un contre, il était dangereux de ouf, il s'est montré très bien même dos au jeu, c'est un attaquant rapide. Je suis déçu parce que évidemment il n'aura pas de place beaucoup dans ce système à 3-5-2, ça dépend ce que fait l'ami Jardim, mais c'est un excellent joueur et j'ai... Je suis déçu de ne pas le voir assez parce que franchement, il est technique, il est très rapide et puis voilà, il a la hargne quoi. Et donc, il est cantonné qu'à la Coupe de la Ligue. En tout cas, Monaco est qualifié contre Marseille. Pitoyable, c'est clair. Monaco enchaîne, mine de rien. Amiens-Angers, il y a eu du Netflix de ouf. Hein. 3 buts à 2, Metz, Brest. Je crois que Brest a été qualifié parce que j'ai zappé avant, évidemment, avant les pénaltys. Mais je crois que Brest s'est qualifié au pénalty. Montpellier-Nancy, 3 buts à 2 dans un match Netflix de ouf. Donc, Brest... Brest, c'est qualifié, d'accord, ok. Nantes, 8-0, le carton de ouf, avec un triplé de Simons, des buts de Louza, des buts de Blas, c'était incroyable, franchement, Paris FC, c'est pas bien en Ligue 2, c'est pas bien non plus en Coupe de la Ligue. Niort-Toulouse, 2 buts à 1, ils étaient menés, hein, les Toulousains, but de Gradel, but de Sanago, et Reims-Bourg-en-Bresse, 2 buts à 1, avec Kuteza et Moussa Doumbia. Voilà les amis, pour tous les résultats, mettez en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que Marseille est vraiment en crise? Qu'attendez-vous de Villas-Boas pour mardi contre Lille? Est-ce que Monaco, lui, est reparti tout doucement? Mine de rien, Monaco en huitième de finale. On verra tirer le sort. Je vous laisse, les amis, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Le petit pouce. Et je vous laisse. Salut, salut, salut. Et salut. Intéressant. La J12 va être ultra intéressant. Si, si.